Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Tout d'abord, avant que je continue, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, je peux faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu sur téléphone, Shield Hero Rise. C'est un jeu qui est sorti le 2 novembre 2023 sur téléphone. Un jeu de cartes d'aventure fantastique, Shield Hero Rise, est sur le point de commencer. Donc ce jeu est tiré d'un manga, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le héros au bouclier que justement je suis en train de regarder aussi, donc c'est pour ça que ça m'a parlé. C'est un manga qui est, je ne sais pas quand il est sorti le manga, mais c'est le héros au bouclier, et justement c'est lui le héros au bouclier. Et donc c'est un jeu sur lui, il n'y a pas que lui, il y a d'autres héros dans le jeu, hein. Il y a celui de la lance, l'épée et l'arc si je me souviens bien. Et donc ce jeu est tiré sur lui. Donc nous allons le tester, voir si ça vous tente de tester le jeu ou pas. Voir si vous pourrez aimer ou pas. On va tester. Et vas-y, attaque. Pim. Je passe la cinématique. Pilo. Je passe les cinématiques, hein. Moi je veux combattre. Attaque. Ah, ça fait des dégâts. Wouf. T'es capote. L'histoire commence. La lance, l'épée et l'arc. Ah, c'est les images du manga. Voilà, on passe la scène. On va avancer un petit peu dans le jeu pour voir ce qu'il propose. Voilà, chapitre 1. Allez, vas-y. Alors, ouais, donc là, c'est les 4 héros. Je vais pas vous raconter le manga, faut le découvrir. Hein. Par contre, ceux qui ont déjà vu le manga, pour ceux qui ont déjà vu le manga, à un moment, il y a lui. Le héros bouclier, et comment ça s'appelle, il a pas sous ses ordres, hein, mais avec lui différents ah, je sais plus comment ils appellent ça, ah je me rappelle plus comment ils appellent, il a des membres avec lui sous son truc, dont deux sœurs et tout, deux elfes. Et je sais pas où ils sont passés. Allez, après il les a vus. Donc si quelqu'un a la réponse, bah, qu'il me dise un petit commentaire. Je vois le manga en ce moment et ils ont disparu d'un épisode à l'autre. Je comprends pas. Alors j'ai pas suivi, j'ai dû sauter un épisode sans faire exprès. Enfin bon, nous passons au jeu. Après il faudra voir si un avocat. Ah là, c'est du. Ah. Si vous avez vu le manga, vous la reconnaîtrez. Tiens, coup de bouclier. Au moins l'avantage, c'est que sans ce genre de jeu, enfin ce jeu-là, vu que vous aurez principalement le bouclier, et vu que ce sera votre héros principal bouclier, voilà. Je sais pas encore. Ce sera le héros que vous aurez, ce sera le bouclier. Tous les autres, vous pourrez mettre des DPS et un heal pour vous aider. Enfin, s'il y a du heal dedans. Donc au moins, niveau tanking, vous serez vraiment tranquille d'armes. Avec le héros principal. Ou alors, peut-être que vous ne l'aurez pas après, je sais pas. C'est juste au début pour jouer. Ah, je peux invoquer. Activer. Ah, vous pourrez monter et tout.
Continuez, vas-y. Parfait. Attaque. Et c'est là qu'elle va avoir sa pro. C'est là que je vais avoir mes premières invocations, je pense. Est-ce que ça combat tout seul ou pas? Bon, encore c'est 2, 4, ok. Et fois 2. Fois 2, c'est 2, 4 aussi. Pour l'instant, je peux pas. Alors, est-ce que j'arrive? Ouais. Ah, tu recrutes automatiquement. Ouais, je regarde si on peut le passer en français. À mon avis, ça sera non. Mais je vais quand même regarder. Ah, vous voyez tout ce que vous pouvez avoir. Ah, il y a pas mal de petites, petits boutons là. Donc, vous avez Star Soul, Scroll, Storage, Guild, donc la Guild, Archive, Galaxy, on a dit. Ouais, Galaxy, je sais pas. Caractère, héros, donc là c'est pour gérer vos héros. Galaxy, sûrement peut-être votre team. Archive pour rappeler des documents, tous les héros sûrement. Guide, storage, donc c'est tout ce qui est votre sac à dos. Scroll, c'est peut-être là la team. Et Star Soul pour peut-être les monter en étoile peut-être. Donc c'est recrutement, héros ville, aventure, arène, challenge, donc là, c'est tout ce qui est des bonus, etc. Là, là-haut c'est tout ce qui est événements, marché et tout. Encore des événements. Là, j'ai mon petit truc comme quoi je l'avais pré-téléchargé. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Fois 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Logiquement. Ah non, j'ai eu elle. Ah, vous l'avez pas au début. Ah, donc, c'est pas. Dans le film, elle vient pas de suite, elle. Ah, elle, oui, Malty. Je vais voir un petit peu. Prends les courriers, je peux même pas pour l'instant. Là, je suis obligé d'y aller. Allez. Après, tu vois, là, c'est pas normal. Elles sont le 2. C'est pas bon, ça. J'ai pas encore le niveau. Ça protège pas tout le monde. Ouh, pas mal, sympa. Multiple ou pas? Non, c'est une cible unique. Elle, elle c'est plutôt. C'est du soin, elle. Ok, vous voyez, en bas, en bas, là, ici, vous avez des points, et ça, il faut que ça attende que ça remonte pour pouvoir utiliser. Il est foutu, maintenant. C'est bon, j'ai eu. Pas tout le bouclier. Parfait. Ok, est-ce que je peux regarder? Non, toujours pour regarder. Là, je montre son bouclier, ses compétences. Moi, je voulais regarder. Moi, je peux passer en arrière. Je peux pas. Ah, c'est chiant. Je vais regarder si je peux changer la langue. Ah, vous avez deux modes, là. Le coffre et après le combat. Oh, ça part. Hop, hop, vas-y. Maximum de dégâts.
je peux tuer le boss, ça serait pas mal. Ah, il fait. Quand il s'agit de faire des dégâts sur une ou deux cibles, et pas mal, hein, franchement. C'est quoi, ça soigne? Ah, il soigne en plus. Son bonus est soigné. Parfait. Bim. En plus, elle se soigne. Elle attaque et en plus, elle se soigne. C'est bon, j'ai eu. Donc, je vais voir si je peux passer en français. Mais à mon avis... Je pourrais pas, je pense. Oh, je pourrais déjà invoquer. Cool. Je peux encore invoquer. Cool. On va voir un petit peu les grades qu'il y a. Oh, j'ai un. C'est quoi? C'est un épique. Un jaune. Cool. Un rare. Eh ben bien, j'ai pas mal là. La réplique. Donc caractère, c'est où tu fais ta team, je pense. Où tu vois tous tes personnages. Ok. Tu peux monter en niveau. Ok, ça marche. Je les vois. Ah, je peux même pas regarder. Ok. On va voir qu'est-ce que j'ai gagné. Oh, pas mal d'invocations. On va y voir un petit peu si je recrute. Là j'en ai 18, là, ok je reviens, oh là j'ai 18 aussi. Là j'ai la durée limitée et je pourrais avoir elle en épique. Je vais voir les stats un petit peu, les probabilités. Donc vous avez pu avoir épique au maximum. Vous voyez tous les noms de épiques que vous pouvez avoir. Bien sûr, vous n'avez pas beaucoup de chances de les avoir, mais bon voilà. Donc les plus gros à avoir c'est Raftalia et Philo. Les partenaires de du maître au bouclier. Et là tu peux avoir Philo. Comme 5% de chance à partir de jusqu'au bout. Là, j'ai pas mal de rares. Hein. Pas mal. Pas mal de rares. Ok. Je vais voir maintenant Sitting English. Ah non, vous voyez, vous n'aurez pas trop le choix. Soit asiatique ou soit anglais, malheureusement. En tout cas, voilà. Vous voyez le jeu. Si vous avez envie d'essayer, vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Pas mal de petites choses. En plus, le jeu, il est sympa. Si vous connaissez le manga, eh ben, faites-vous plaisir. Ça peut être sympa. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.